de défendre la justice avec les armes de justice, prête à la paix en tout temps. S'il refuse de la reconnaître et de s'en corriger. Alléluia. Tu les as perdus avant qu'elles se soient arrivées. Préoccupé très tôt par le problème de la guerre, il se rendit en 1936 auprès de Gandhi. À son retour en France, en Europe, il fonda un ordre de Gandhiens de non-violents Gandhiens d'Occident. Il prit ensuite part à plusieurs campagnes d'action non-violente, notamment contre les tortures perpétrées pendant la guerre d'Algérie. Il considérait le nucléaire comme une priorité, la lutte contre le nucléaire civil et militaire contre une priorité.